Salut à tous, c'est Melo Kimiko, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul Wish. Donc presque tout à 1€. Je vais vous présenter tous les produits que j'ai achetés et je mettrai, j'espère, tout en barre d'infos. Et donc dans cette vidéo je vais vous montrer tous les produits et combien ça a coûté. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à partager. Et moi sur ce, je te souhaite une très bonne vidéo. Premier achat, c'est ceci, donc c'est un recourbe cils. Je m'en suis acheté un parce que... je l'avais pas, j'en avais jamais utilisé et ça fonctionne très très bien. Moi j'adore pour mes petits cils qui ne se voient à peine. Donc je l'ai pris comme ça, de cette couleur. Donc il y en avait d'autres des couleurs, je crois il y avait bleu, etc. Donc ça quoi, je l'ai payé 1€ plus 1€ de frais de port. Toujours 1€ de frais de port, donc voilà. Il est super petit, maniable, enfin c'est génial. Ensuite nous avons un article que j'utilise énormément en ce moment, surtout quand je fais des make-up, des cosplays, etc. Enfin voilà, c'est une espèce de fond de teint, donc en crème comme ça. Make-up, professionnel make-up. Donc c'est une espèce, voilà, comme ceci, c'est une crème. Voilà. Donc j'ai pris la teinte la plus blanche parce que j'ai la peau blanche. Et donc voilà, j'ai pris ça et ça couvre énormément et super bien les boutons et les cernes. Enfin ça c'est super bien et vous aurez aucun problème avec ce truc. C'est vraiment le petit chouchou. Donc ensuite pour une convention spéciale donc, que j'ai passée, je m'étais acheté les accessoires de Harley Quinn. Donc le collier, les bracelets et la bague. Donc là déjà je m'étais acheté les deux bracelets et il y avait le collier vendu avec. Voilà, que j'ai super mal remis, j'ai pas mis à l'endroit. Donc voilà le petit collier et il est super grand. Là il y a des... voilà, il y a ça. On peut bien l'accrocher, il est fin. Au cou, il est super fin, il est super joli. Et moi je kiffe franchement, il est super beau. Et avec du coup il y avait les bracelets. Donc avec le yes et le cire. Voilà. Les deux bracelets, donc ils me vont super bien aussi parce que c'est réglable et vu que j'ai des petits poignets, ben voilà. Et bon, ils sont super bien, j'ai dû payer ça. Donc j'ai payé ça 7€ et 3€ de frais de port. Donc ouais, moi je trouve ça cool, mais sur AliExpress ils sont beaucoup plus chers. Donc voilà, j'ai préféré le prendre sur Wish et c'était beaucoup beaucoup moins cher. Donc ensuite, pour aller avec le cosplay d'Harley Quinn, je me suis également pris la bague. Donc la bague, elle est comme ça, voilà. Complètement articulée et elle m'a coûté 1€ et 1€ de frais de port et elle a eu un petit souci, c'est qu'elle s'est beaucoup desserrée et d'ailleurs je dis merci à Baka de m'avoir réparé ma petite bague. Ensuite toujours Harley Quinn, je me suis acheté les tatous, donc pour éviter de me faire les tatous tous les matins quand je vais en convention, ça évite de faire la peau toute noire à cause d'un feutre. Donc je me suis carrément acheté les palettes de tatous, donc avec tout, avec les tatous de cuisse, les tatous de ventre, le bras et c'est tout, enfin le poignet. Et voilà, bon bah ça je l'ai pas payé cher non plus, c'était 1€ et 1€ de frais de port, donc moi ça m'allait, j'en ai pris deux. Bon ensuite encore un détail de Harley Quinn, je me suis acheté un collant colorési, donc j'adore les collants rési, j'en mets tout le temps limite, j'en mets tout le temps avec mes jupes. Donc voilà, les petits collants rési que j'ai payé aussi 1€ et 1€ de frais de port. Donc ensuite ça c'était une connerie de ma part parce que normalement je devais l'offrir à mon copain mais ça ne lui va pas, donc je l'ai gardé. De Vocaloid Matryoshka, je crois que ça se dit comme ça, donc c'est la rouge, celle de Gumi je crois. Donc voilà, avec le petit dessin sur le côté, voilà, de l'autre côté également. Et voilà, la veste est grande, je l'avais pris en grande exprès pour mon chéri mais ça lui va pas, les tailles sont pas bien. Donc quand on ferme, voilà, ça fait ça et voilà, vous pouvez vous renfermer des temps. Et moi je le mets tout le temps, je le mets tout le temps. Et il est trop joli, en plus c'est super rouge, j'adore. Et le dessin est juste magnifique, donc voilà. Donc cette veste là m'a coûté, attention, 14€ et 7€ de frais de port. Voilà, elle était un peu plus chère mais bon c'est normal aussi, c'est Vocaloid. Ensuite la grosse déception totale, c'est un t-shirt que je voulais trop, un alien sur le côté et en fait je suis tombée là dessus. Donc je suis un peu dégoûtée parce que moi j'aurais voulu en grand. Après c'est pas grave, je le mets avec une jupe, ça passe crème mais c'est un peu chiant. Donc voilà, avec le petit alien sur le côté, j'ai pas payé ça cher non plus, j'ai payé ça
Eh ben, j'ai payé ça gratuitement, en fait, c'était gratuit, mais avec 1 € de frais de port, donc voilà, il y a des articles gratuits, vous payez 1 €, donc bon, voilà. Ensuite, article que vous ne verrez pas dans cette vidéo, ce sont des chaussettes aliens, donc avec les mêmes aliens que sur le t-shirt, mais sauf que c'est des aliens verts. J'ai pris une photo par là, je ne sais pas où, et je vous montrerai un peu, c'est des petites chaussettes toutes mimi. Ensuite, je me suis acheté une paire de chaussures que je ne mets pas, tout simplement, parce que elles sont trop lourdes, enfin, pas lourdes, mais elles sont trop dures, en fait, j'arrive pas à marcher avec. Donc ce sont une paire de Creepers, donc elles sont jolies, hein, je sais pas le contraire. Donc ceux du 35, j'ai pris en 35 parce que je fais du 35, voilà. Et elles ne me vont toujours pas, donc je sais pas si c'est parce que c'est mon pied qui est trop petit ou quoi, mais elles sont un peu raides quand même, c'est très dur, ça, la semelle ne se plie pas quand tu marches, donc c'est un peu galère. Donc j'ai payé ça 15 €, donc ça fait déjà la deuxième paire que j'achète et l'autre que j'ai vendue parce que ça m'allait pas. Ensuite, je me suis fait un petit kiff, je me suis acheté un serre-tête avec des crottes. Voilà. Je me suis acheté un serre-tête avec des crottes, donc je le trouvais plutôt mignon. Donc je me suis dit, tiens, je vais prendre un serre-tête avec des crottes, pourquoi pas. Et je le trouve trop choupi. Voilà. Je le mets des fois dans certaines photos, vous avez déjà dû me voir avec. Ensuite, je me suis racheté quelque chose que je n'avais pas racheté depuis des années, c'est de la colle à fossiles. Donc voilà la colle à fossiles, donc elle est rose, le petit packaging il est mignon, tout est mignon, elle colle super bien, je l'ai testée hier, je viens juste de la tester, et elle est super. Ensuite, quelque chose que vous avez peut-être dû voir dans mes photos, je me suis pris un collant avec des espèces où on voit les articulations en fait, au niveau du genou, des chevilles et des cuisses. Donc c'est un collant comme ceci et on voit les articulations. Donc là c'est la cuisse, là c'est le genou et là forcément c'est la cheville. Donc il est super réaliste, j'adore, mais par contre il est très fragile mais très très chaud. Donc moi j'adore, je l'ai mis souvent. Voilà, je le mets plus trop en ce moment parce que j'ai trop peur de le salir, je l'ai pris en blanc. Il y avait aussi en couleur chair, mais j'ai pas pris couleur chair, je préférais bling. Donc voilà, et ce truc là m'a coûté sans doute, je crois qu'il m'a coûté 3 € et quelques frais de port il me semble. Donc ensuite je vous montrerai ici, je peux pas vous montrer maintenant parce que je l'ai complètement customisé. C'était un cache-œil, donc ça venait de la... Donc ça venait de Tokyo Ghoul, donc je m'étais pris un cache-œil blanc et je l'ai transformé pour faire une rose dessus, je vous avais montré dans une vidéo de cosplay. Ensuite je me suis acheté des faux ongles. Alors vous allez me dire, ah mais des faux ongles, non je fais pas de faux ongles du tout, mais c'est juste pour me faire des dents de vampire, donc je n'ai pas encore acheté ce qu'il faut pour les dents de vampire, mais il faut que j'achète truc pour coller, là je sais plus comment ça s'appelle. J'ai eu ça gratuitement avec 1 € de frais de port, forcément pas gratuit, j'ai quand même payé frais de port, mais je veux dire le produit était gratuit en soi. Ensuite j'ai eu un petit kiff, je me suis acheté le masque de Kaneki de Tokyo Ghoul, donc voilà le petit masque, il est super joli, j'adore, il est super, enfin moi j'aime bien, je touffe pas trop dedans, ça va, donc il est comme ceci avec bien le truc en ferraille là, hop ici. Pilote. Donc voilà le petit masque forcément qui était vendu avec le cache-œil, un espèce de cache-œil, voilà. Et ça je sais plus combien je l'ai payé. Ah, voilà, je l'ai payé 6 € avec des frais de port en plus forcément. Forcément Kaneki sans sa wig, ce n'est pas Kaneki. Donc j'ai pris une wig blanche comme un fion. Et voilà. Et moi je l'ai stylisé un peu, hein. Je lui ai redonné, je l'ai lissé un peu, mais ça l'a un peu cramé parce que c'est pas de la bonne qualité. Voilà, petite wig, donc moi je la trouve jolie, moi j'aime bien les blanches, ça change un peu, j'en avais pas des blanches. Ensuite je me suis payé une bébé crème, donc trop kawaii, donc c'est le packaging est trop beau, donc voilà. Donc on s'en fout du packaging, nous ce qui nous intéresse c'est donc le flacon qui est aussi mignon que le paquet, donc voilà. Donc c'est de la bébé crème, j'ai pris la teinte la plus blanche, donc j'ai pris, je crois que c'est ivoire. Donc par contre ça sent un truc de ouf, ça sent trop bon, il est trop choupi et bah, personnellement j'utilise pas super vite en fait. Ensuite je me suis acheté quelque chose que je mets tout le temps, ce sont des chaussettes d'écolière. Bon je dis chaussettes d'écolière parce que voilà, mais donc voilà c'est ça, c'est les petites chaussettes comme ceci, vous savez les bas. Donc vous avez sûrement vu des photos avec, donc je les mets tout le temps, je les kiffe, et elles sont trop mimi. Et moi j'adore ce genre de chaussettes. Vous ne pouvez pas le voir parce qu'il est accroché au mur. C'est un fond vert, je me suis acheté un fond vert, donc je vous montrerai par là à quoi il ressemble.
Et voilà. Le fond vert, par contre, je l'ai payé un peu cher. Je ne sais plus combien je l'ai payé, mais à vous d'aller voir. Mais je l'ai payé un peu cher quand même. Hein. Et ensuite, dernier article, et ça, c'est complètement un kiff parce que je suis une gamine et tout le monde le sait, je suis une enfant et j'aime tout ce qui est pour les enfants. C'est derrière moi, c'est ça, ce qu'il y a au mur, ce que vous voyez au mur, ce sont des petites étoiles. Et je me suis acheté des petites étoiles parce que j'aimais bien, je trouvais ça mimi et puis bah c'est choupi moi je trouve. Et bien sûr ce, mes petits poulets d'amour, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu et venir sur mon Discord, le Discord sera en commentaire et en description. N'hésitez pas à venir en masse vous présenter et on pourra discuter ensemble. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées pour acheter des choses. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne après-midi, on s'en fout. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous à tous !